Bienvenue. Chaque jour, il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne MagNews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Greg Yega est sur la pente descendante. Ce week-end, le candidat de télé-réalité a été filmé ivre volant de sa voiture. En même temps, une vidéo dans laquelle il consomme de la drogue a été diffusée sur les réseaux sociaux par le blogueur Nabil Al-Moundi. Face à la polémique générée par ces images, le jeune homme a été contraint de prendre la parole. Choqué d'avoir été trahi par ses amis, l'influenceur s'est trouvé des excuses bien peu convaincantes. Une consommation d'héroïne vieille de 10 ans. La vidéo diffusée par Nabil Al-Moundi est on ne peut plus explicite. Sur les images, on peut apercevoir Greg Yega en train de consommer de l'héroïne. Le blogueur ajoute que l'influenceur est en train de chasser le dragon, une pratique qui évite aux toxicomanes de s'injecter le produit. Face à ces preuves irréfutables, l'interprète de J'Fly a été obligé d'assumer. S'il avoue avoir pris cette drogue durant une soirée avec des amis, il n'a pu s'empêcher de se victimiser. Après avoir précisé qu'il s'agissait d'une erreur de jeunesse, et que ces images ont 10 ans, l'ex de Mélanie O'Herrell a avoué que quelqu'un lui voulait du mal.